Ah, les terribles vers blancs qui ravagent nos pelouses. Eh bien, voici comment contrôler la situation. Peut-être pas vous débarrasser de ces bestioles, mais à tout le moins contrôler. D'abord, tondez le gazon un peu plus haut qu'à l'habitude, à 7-8 cm, pour éviter donc que les scarabées, les hannetons, se rendent jusqu'au sol et puissent pondre leurs œufs. Également, fermez toutes les lumières sur votre terrain en période de ponte en juin, en juillet. Et assurez-vous également de vaporiser des nématodes. Ce sont les petits vers microscopiques, des nématodes Greenheart, qui vont pouvoir aller parasiter les vers blancs. Une application à la fin de mai et une seconde à la fin d'août, début septembre.